Et du coup, t'es content de rentrer à Poudlard? Au début, pour moi, école de sorcellerie, c'était les services téléphones africains qui te spamment et te disent qu'ils voient ton futur. Ou qui peuvent marabouter les gens que t'aimes pas. Du coup, je suis un peu déçu. Mais bref, de toute façon, j'avais pas d'autre choix. J'ai été ban de Parcoursup parce que dans la catégorie pire défaut, j'ai mis perfectionniste. C'est mérité. Et au final, je me retrouve dans une école remplie de roues et de débiles. Et le seul mec qui est les deux à la fois, il vient s'asseoir en face de moi. Et pourquoi tu dis que je suis con? Non mais Ron, t'as quand même trois membres de ta famille dans les Darwin Awards. Ouais les enfants, j'étais en retard. Faut que je vous raconte un truc. Apparemment, c'est illégal de rouler à 110 dans un village. Monsieur, on est là pour faire court, pas pour entendre votre vie. C'est quoi ces élèves de merde? Bon, je vais essayer autre chose. Eh les enfants, pourquoi les Africains ne conduisent jamais de nuit? Parce qu'ils y voient rien. Monsieur, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour apprendre en fait. Et c'est pour ça que les Anglais sont des gros lâches. Eh, c'est moi la sonnerie ici. Désolé monsieur, mais contrairement à vous, la sonnerie, on aime bien l'entendre. Harry! Viens. Harry, je voulais te demander si tu avais vu des trucs suspects dernièrement. Non, pourquoi? Quelques élèves sont morts. J'ai l'impression que quelque chose se trame. Ok, bah, si je vois un truc, bah, je te le dirai pas, parce que t'es moche. Oh putain, on a de la chance, elle est pas là, cette vieille peau. Cette vieille peau, plutôt cette grosse pute, ouais. Mon père, il m'a dit que Hagrid, il s'était tapé. Et vas-y, elle s'est transformée en chat, mais elle devrait se transformer en truie, cette pute. Harry, si je t'ai convoqué, c'est pour te dire que j'ai avancé sur mes recherches. Et je pense que c'est plus sérieux que je le pensais. Et peut-être que tu pourrais m'aider. Bah en fait, je me suis fait virer par McDonald's, mais on va dire que je suis venu pour ton truc là. Bien. J'ai besoin de toi pour enquêter. Tu seras mes yeux et mes oreilles. J'ai une question. C'est vrai que l'école a été construite grâce à une collaboration allemande en 1941? Je ne dirais pas qu'on a collaboré. Je dirais juste qu'à l'époque, on manquait pas de beurre. Bon les gamins, on pousse la voiture, hein? Ah, c'est bon une fois, hein? Moi je comprends pas les gamins, hein. Ouais, Mario, quand il y a des champignons, il grandit, hein. Moi j'en ai plein sur ma teub et elle grandit pas, hein. Il est vraiment con ce prof. Je dirais pas qu'il est bête, je dirais juste que la seule chose qu'il réfléchit, c'est la lumière avec son crâne chauve. Eh, Aziz, j'étais à côté de lui en premier rang, et bah j'ai attrapé des coups de soleil. Tu mets un panneau solaire sur son crâne, tu peux alimenter une centrale nucléaire.